Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je ne t'avais pas parlé. Donc là, on est dans mon nouvel atelier. Ça me fait hyper plaisir de te parler. Ça fait depuis le 20 octobre 2020 que j'avais pas pris la parole sur YouTube. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, tu le sais, j'étais en divorce. Et lorsque tu as un divorce qui dure pendant 2 ans et demi, à charge, bien sûr, c'est pas évident de prendre la parole. Et puis, quand tu prends la parole, souvent, ça te retombe dessus parce que la partie adverse utilise certains éléments des vidéos que tu as fait. De plus, j'étais pas forcément très bien. J'avais ma tête qui était pas libérée. Donc là, actuellement, quand je te fais cette vidéo, je suis toujours pas divorcé. Nous sommes en décembre 2021. C'est quand tu verras cette vidéo, je serai divorcé. Ça fait 14 mois que j'ai pas parlé et il m'est arrivé des choses incroyables que je vais te raconter dans cette vidéo. Donc c'est important que tu la regardes jusqu'au bout. Je suis désolé aussi pour les gens qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu pendant cette période-là où j'ai pas pu vraiment m'exprimer. Hein. Dans un premier temps, je vais me présenter pour les gens qui me connaissent pas. Je m'appelle Jean-Marc Kilikini. J'ai un CAP de taille de pierre que j'ai eu à 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus. J'ai fait du compagnonnage, j'ai arrêté à mon CAP et je suis rentré dans une école préparatoire aux Beaux-Arts. J'ai fait 2 années de Beaux-Arts nationaux. Je suis allé en Italie dans la Scuola del Marmo, une école de spécialisé dans la sculpture sur marbre. J'ai fait ça pendant 1 année, j'y suis allé plusieurs fois, je crois que j'y suis allé 3 ou 4 fois, je suis resté 12 ou 14 mois en Italie. C'était génial, une super expérience. Plus à l'âge de 26 ans, 27 ans, je suis parti à Paris travailler, donc au Père Lachaise en tant que tailleur de pierre sculpteur. J'ai vécu 7 ans à Paris, j'ai travaillé chez Surcouvre dans l'informatique, j'ai travaillé pour des importateurs en matériel informatique, j'ai créé plusieurs entreprises d'importation en connectique. En 2008, il y a eu la crise, j'ai plus de clients solvables, j'avais des gros impayés, j'ai arrêté l'entreprise. Après, j'ai fait de la vente de maisons individuelles. Pendant 5 ou 6 ans, j'ai travaillé pour plusieurs groupes, 5-6 groupes, c'était super bien. J'étais en Vendée, le marché était compliqué, les clients sont compliqués. Il y avait plusieurs vendeurs dans la même agence, dont un vendeur qui était là depuis 27 ans, qui prenait tous les contacts intéressants pour lui. Moi, j'avais que la merde, j'arrivais pas à vendre, j'arrivais pas à trouver ma vitesse. Je me suis retrouvé pour ma première fois au chômage, je devais avoir 40 ans, 42 ans, et on m'a proposé une formation pour passer un CAP de chaudronnier plastique composite que j'ai eu. Mon prof m'avait dit, tu sais, tu travailles pas mal. Il y avait du boulot dans le panneau frigo. Donc, je me suis installé comme poseur de panneau frigo. À l'époque, je travaillais avec mon prof en sous-traitance. Et puis, le marché a un petit peu baissé. Et puis, j'ai eu de moins en moins de travail. Je me suis mis dans la peinture. Entre 2014 et 2019, je crois, j'ai passé 2 autres CAP. Peintre applicateur. En 2018, j'ai dû passer le CAP de solier moquettiste. Aujourd'hui, je passe mon CAP, solier moquettiste. Donc je ne peux pas trop te parler parce que si je me fais choper, je suis interdit d'examen pendant, je crois, à vie. Donc, on a le sujet. Hop. Je te laisse, voilà le prof. Début 2018, j'ai créé ma chaîne YouTube. C'était une chaîne qui n'était pas faite pour vous, hein, au début. C'était fait pour les clients à Paris pour qu'ils puissent voir leur chantier à distance. Les premières vidéos, c'est bonjour monsieur, mesdames. Aujourd'hui, c'est la partie numéro 2. C'est le ponçage des bandes. Puis rapidement, bah, y avait GDM, Airlessman, quelques personnes qui me suivent encore, hein, qui me laissent des messages, qui m'avaient encouragé en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? C'est intéressant, tu fais à l'airless. » Donc après, bah, petit à petit, j'ai fait 350 vidéos. C'est comment je travaillais sur les chantiers. Voilà comment la chaîne YouTube est née. Voilà pour les présentations pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc c'est important de comprendre d'où je viens pour savoir où je vais. Parce que aujourd'hui, tu vois des peintures de peinture, artistique. Et ce n'est pas un hasard. Avant de monter mon entreprise de peinture, j'ai fait 5 années d'études dans l'art. J'ai un parcours qui fait que j'ai arrêté l'art. Il a fallu que je travaille pour nourrir ma famille avec les enfants. Et maintenant que j'ai une autonomie financière avec la chaîne, je peux reprendre ma passion. Mon ex-femme m'a quitté le 4 novembre 2019. Et comme par hasard, ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai une vidéo qui a explosé. J'avais fait un bêta-test pour un fabricant de peinture. J'avais pris ma voiture, j'avais fait 2 vidéos. J'étais allé voir le directeur. Qu'eux-mêmes faisaient des vidéos sur leur chaîne YouTube, qui était une chaîne sans envergure, qui marchait absolument pas. Mon format ne lui convenait pas, et moi, j'avais trouvé ça plutôt con,
parce que ça a été un mec qui était directeur de la communication d'un très grand groupe, hein, et il comprenait rien du tout. Alors peut-être qu'il était très bien sur la communication à l'ancienne, hein, de 1970, mais sur ce que je lui expliquais, il n'arrivait pas à comprendre, il était plutôt réfractaire. Mes deux bêta-tests, je les ai sortis, c'est la vidéo où j'ai fait 13 millions de vues, et l'autre vidéo où j'ai fait 1 million de vues. Donc elle a explosé le jour où mon ex-femme est partie. Ça a été comme un boulet, comme une ancre qui s'est décrochée d'un bateau de course. Elle m'a quitté le 4, j'ai récupéré les clés le 11, et tu as vu, le pic était au 13. Et du jour au lendemain, de 30 abonnés ou 20 abonnés par jour, je faisais 430 abonnés par jour. Le premier mois, j'ai fait 8000 abonnés, 12000 abonnés, 8000 abonnés, 6000 abonnés. En 3 mois, 4 mois, j'étais déjà à 50 000 abonnés. C'était incroyable pour une petite chaîne comme la mienne. 10 000 abonnés, ben, ça avait représenté 3 ans de travail. J'étais passé de 100 000 vues par mois à 2 millions de vues par mois. C'était vraiment pas un hasard, c'était plutôt un signe, et plutôt un bon signe. Et après analyse, effectivement, quand tu as une entreprise, quand tu as une chaîne YouTube ou quand tu as un projet comme ça personnel où tu vas travailler beaucoup, beaucoup d'heures, il faut éviter de construire ton projet quand tu as des gens toxiques autour de toi, des gens qui t'empêchent de faire les choses, des gens qui te critiquent ou qui ne comprennent pas, ou des gens qui sont trop petits, qui n'auraient pas la vision de, bah, par exemple, la vision d'un chef d'entreprise. Ça, c'est toxique dans les affaires. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est des fois pour ça que les entreprises ne tiennent pas, parce que ton conjoint ne suit pas, ne comprend pas. Et quelque part, en étant de la négativité, te empêche de faire les choses. Donc le jour où mon ex-femme m'a quitté, ma chaîne a explosé et je me suis senti libéré. Enfin que mon travail de 3 années, c'est-à-dire des milliers d'heures, était récompensé. Pendant cette période-là, j'ai coupé la chaîne YouTube, c'est-à-dire que tu ne voyais plus le nombre d'abonnés. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 100 000 abonnés. Le jour où j'ai réouvert ma chaîne, j'ai dû engranger 80 000 abonnés dans le mois. Bon, voilà, donc il suffit de couper ta chaîne. Et le jour où tu l'ouvres, eh bien, tu enregistres en un mois ce que tu as fait, par exemple, en un an. Pourquoi j'ai fermé l'entreprise au 30 décembre 2019, tout simplement parce que mon bail a été dénoncé au 21 septembre. J'ai libéré les locaux 19 décembre. J'étais même en négatif sur mon compte courant. J'étais en négatif sur l'entreprise. J'avais plus du tout de trésorerie. Je devais 5 700 € de charges sociales d'un chantier que j'avais fait pendant l'été, pendant 4 mois. Et il me restait plus rien du tout de cet argent-là. Il avait disparu. J'ai trouvé 2 autres chantiers pour pouvoir payer toutes ces charges. J'ai payé mes charges et j'ai fermé l'entreprise. Voilà. À partir du 21 décembre, je me suis retrouvé SDF. Donc j'ai passé les fêtes de Noël chez ma mère. J'ai dormi dans mon camion. Ça n'a pas été facile. Ça a été une période plutôt difficile. J'ai été hébergé chez mon pote Seb de Vendée Maison. Après, j'ai mis mon petit voilier à flot au port de Rochefort. Je crois que c'était à peu près le 28 février. 9 jours après, je suis parti au Portugal. Un ami m'avait proposé de m'occuper de l'orangerie, puisque le gardien était décédé. Et finalement, j'ai été bloqué jusqu'au 1er juillet. La propriété, pendant le confinement, c'était super. Moi, j'étais à couper mon herbe, je ramassais les oranges, j'avais plein de projets, je faisais mes vidéos. À partir d'octobre, mon ami qui m'avait mis dans la propriété avait changé un petit peu de discours. À la fin de ces vacances-là, la mère et quelques frères m'ont annoncé qu'il comptait vendre la maison parce que c'était un héritage et il voulait pas la garder, c'était trop ou pas assez. Bon, bref, ils avaient besoin de pognon, tout simplement. Et là, j'ai quand même eu un sacré coup de stress. Et le problème, c'est que j'avais créé mon entreprise en juin. Qu'est-ce qui va se passer si je suis obligé de quitter le Portugal en ayant créé une société au Portugal et ne pas parler portugais et ne plus être dans le pays? Octobre, novembre, on va dire 2 mois, j'ai créé un maximum de vidéos et c'est toutes les vidéos que tu as vues jusqu'à présent. Et j'avais plus de voiture puisque je me suis séparé de mon camion et de ma voiture. Lorsque tu vas dans un pays européen avec ta voiture, tu es assuré 3 mois. Mais lorsque tu es résident, eh bien, les assurances françaises ne veulent pas assurer un véhicule français
français au Portugal. Il te faut une assurance portugaise. Je n'avais pas le choix que de faire un import de véhicule. Voilà, et là, par contre, ça devient compliqué. Au Portugal, je n'ai pas réussi le camion à faire cette démarche-là administrative. Et ils ne m'ont jamais répondu. Et j'ai fait 3 demandes. Une fois que je me suis rendu compte de la complexité, donc j'ai préféré bazarder tous les véhicules. En décembre, je devais aller chercher les enfants à Noël. Le seul problème, c'est que le Portugal, à l'époque où je te parle, c'était le pire pays de l'Europe. Voilà ce qui était titré dans les journaux. Pour aller en France, c'était très compliqué. Avec le Covid, il n'y a pas de car. La seule solution, c'est de prendre un avion. Les billets d'avion étaient très chers. Plus, il fallait arriver sur des grands aéroports. J'ai aussi un billet de train à prendre qui coûte 95 euros de Paris jusqu'à Poitiers. T'en as pour 700 ou 800 euros. Donc, j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple qui a été de prendre un avion pour 40 euros pour aller à Londres. Une fois que j'étais à Londres, j'ai fait une quarantaine de 14 jours et j'avais un billet d'avion pour 40 euros pour Londres, Poitiers, aucun problème, j'avais un déplacement pour 80. J'étais hébergé par une connaissance. Une fois que je suis arrivé à Londres, les billets d'avion se sont envolés. En 48 heures, je me souviens, Boris Johnson, c'était un samedi, a annoncé le confinement pour le dimanche matin, même pas 24 heures après. En même temps, la France a fermé ses frontières. On s'est retrouvé des Français bloqués, sans possibilité de retour. J'ai acheté 3 billets d'avion qui ont été annulés à la suite. Le propriétaire, évidemment, il s'est servi de cette information pour se séparer de moi, puisque de toute façon, sa volonté, c'était de vendre la propriété. Ils m'ont fait des tas d'histoires. J'ai été obligé de mandater un avocat pour mon déménagement. Après un mois de négociation, elle a pu déménager à Carthage, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres de là où j'étais. Donc, on est plus vers Lisbonne. Et puis surtout, maintenant, je suis locataire, que le propriétaire, quand je suis venu, il m'a dit « Ouais, tu verras, c'est pas beaucoup de travail ». Et en fait, c'était quand même beaucoup de travail parce qu'il fallait que je tonde 10 000 mètres carrés 7 à 8 fois par an avec une machine qui était prévue pour 800 mètres carrés. Donc, laisse tomber le travail. Plus l'arrosage tous les jours de mai à octobre, 2 heures par jour, ce qui te représente globalement 4 à 5 mois de travail par an. Tu es bloqué dans une propriété. Quand tu t'en vas une semaine l'été pour aller chercher les enfants, tu arrives, les arbres, ils sont presque morts. Il faut réarroser. C'est un travail vraiment énorme. Donc, maintenant, je suis locataire. Donc, c'est très bien parce que ça me laisse du temps pour gérer les chaînes, pour faire mes peintures, pour apprendre, pour parler, pour lire, pour vivre un peu plus, on va dire. Donc en Angleterre, c'était génial. Je me suis retrouvé coincé. Alors au début, j'étais hébergé, puis après, j'étais plus hébergé. Donc je me suis démerdé un petit peu comme j'ai pu. Je me suis retrouvé à la rue, au homeless. Je me suis retrouvé à dormir dans des cabanons de jardins, tu vois, des maisons plus ou moins abandonnées, dans des cabanes de jardins, dans des squats. J'ai dormi dans une toile de tente, j'ai dormi avec d'autres personnes dans des toiles de tente, à Maidstone, à Darfort, à Gravesend. J'ai rencontré du monde, j'ai été avec des copines. C'était vraiment super bien, c'était vraiment incroyable. Ça a été un des meilleurs moments de ma vie. Ta-ta-ta, c'est mon anniversaire. D'abord parce que le confinement n'était pas aussi strict qu'en France ou au Portugal.
on avait juste l'obligation de porter un masque dans les supermarchés. Les supermarchés ouvraient jusqu'à minuit, tous. Les magasins étaient fermés, mais les magasins alimentaires étaient en take-away. Donc ça ne changeait pas grand-chose. Je ne pouvais pas aller dans les bars ou les pubs. Mais la vie s'est installée, je me suis débrouillé. Pendant un laps de temps très court, j'ai même ramassé de la ferraille avec une équipe. Donc on faisait les poubelles avec un camion, ramasser la ferraille, c'était super, des plus ou moins déménageurs. Ça a fait un petit peu d'argent, bon, de poche, comme ça, c'est sympa. Ça y est, je me suis transformé en ferrailleur à Londres, donc ça rapporte quand même pas mal. On met des équipes dans la rue, on récupère la ferraille, ça gagne pas mal. Tu vois, bon, ben, ce frigo, celui-là, on va pouvoir le rendre. On va le mettre quand même dans le camion. Allez, viens m'aider, merde. Bon, ben, bonne petite journée. Marcel, j'ai encore trouvé du métal. Allez, tu viens m'aider à charger? Bon, c'est pas très lourd, mais ça paye quand même. Les Anglais m'ont beaucoup aidé. Charger, Marcel, ça a été incroyable. J'ai rencontré Jerry. Bref, j'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont aidé. Après, ça s'est plus ou moins réouvert. Un magnifique printemps en Angleterre. Incroyable. Un printemps superbe. Des arbres fleuris. Une beauté, une couleur, les parcs sont superbes. Je ne peux pas tout te raconter parce que c'était vraiment tellement extraordinaire que voilà, c'était vraiment extra. Il fait meilleur en Angleterre, dans le Kent, que à Lille ou même à Paris. Hein. Il fait bien plus chaud. Le soir, la chaleur remonte. C'est hyper agréable. L'année d'avant, j'étais SDF en France et l'année d'après, j'étais SDF en Angleterre. Je peux te dire que la vie est beaucoup moins dure. Et les Anglais sont beaucoup plus sympas, que l'on dit. Les Anglais font pas la gueule comme chez nous, ils sont pas du tout jaloux, ils sont toujours contents pour toi. Il y a un renfort positif, on t'encourage, on trouve que c'est bien. Voilà, donc c'était vraiment génial. J'ai pu trouver un petit créneau où j'ai pu peindre des aquarelles. Donc toute la série d'aquarelles que tu as vues viennent de l'Angleterre. J'ai filmé rapidement. Après, il y a eu les frontières qui se sont réouvertes avec le Portugal. Je crois que c'était vers le 15 mai ou le 6 mai. Le 17 mai, j'ai eu ma première dose de vaccin. J'ai attendu ma deuxième dose de vaccin, je crois que c'était le 18 juillet. Et je suis reparti le jour même. On va se poser dans une forêt. Ça y est, le champ arrive. C'est bon, on est dans un champ, on est sauvé. Contact. Ah ben non, il y a une piste. Wow. Il a dû péter le train d'atterrissage. Bon, le bus est arrivé. Le seul problème, c'est qu'il faut changer la roue. Ça y est, c'est fait, la roue est changée. Et on va pouvoir partir. Je sais pas quelle heure il est, mais il est minimum minuit. Je te fais voir quelques images. Je suis arrivé dans cet atelier, j'ai nettoyé les murs, c'est-à-dire j'ai épousté les murs avant peinture. J'ai acheté une peinture qui n'est pas du tout une peinture, c'est tout simplement de la chaux vive. La chaux fait bouillir l'eau, elle monte à peu près à 80 degrés. Et puis quand elle redescend, ben, tu t'en sers de désinfectant et tu t'en sers de peinture. Voilà, donc ça c'est des produits qui sont extrêmement vieux. C'est des produits qu'on a utilisés depuis toujours. Donc là, j'ai utilisé, tu vois, c'est très liquide. Au final, ça fait quand même une bonne blancheur. Première couche, deuxième couche. Tu vois qu'à la deuxième couche, c'est déjà un petit peu plus blanc. Et là, la deuxième couche a été faite. Et on a une bonne différence entre le mur et maintenant. Donc, ce qui reflète la lumière, c'est pas si désagréable que ça. Donc ça, c'est la peinture horizontale. Je fais ça sur une table. Ici, bah, c'est le montage. Ici, je stocke mes peintures. Et puis, mes pinceaux.
Donc, comme tu vois, je suis dans une grange, je suis hyper bien installé, j'ai plusieurs espaces de travail, je suis très très bien, je suis très content. Donc, ici, c'est plutôt un atelier pour les grands formats ou les peintures sur, sur table. Et je compte faire un deuxième petit atelier, un peu plus petit, mais sur fond vert. J'ai envie de tester le fond vert. Voilà, un atelier plutôt pour l'aquarelle ou les peintures à l'huile, peut-être des formats un peu plus petits ou des formats un peu différents. J'étais artisan peintre. Maintenant, je me dirige sur artiste peintre ou décorateur, comme tu veux. Je t'invite à aller sur mon site internet et de t'inscrire dans la newsletter. Que je fais une newsletter tous les trimestres qui t'expliquera un petit peu ce que je fais, où je vais. C'est un petit peu un condensé de ce qui s'est passé pendant le trimestre. Tu as la description en dessous. Il va y avoir de nouvelles séries de vidéos. J'espère faire un format vidéo de peinture à moitié, un peu comme un vlog, tu vois, extérieur, peindre à l'extérieur. J'espère retourner aussi en Angleterre. Cette fois-ci, peut-être faire un peu de peinture à Londres, ça serait génial. J'espère aussi aller filmer en Espagne. Ça serait bien. J'aimerais bien aller à Séville. C'est pas très loin, hein, Séville. Hein. J'aimerais me déplacer, peindre un peu à Lisbonne. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le début dans cette aventure. Aujourd'hui, c'est 150 ou 160 000 abonnés. C'est super. C'est que le début. Maintenant, je vais pouvoir travailler. C'est-à-dire que pendant 2 ans, entre ma montée des 10 000 et ma montée des 160 000 abonnés, je n'ai pas pu produire ce que je voulais. Je n'ai pas pu parler comme je voulais. À partir de maintenant, quand tu vois cette vidéo, normalement, je suis en place pour faire les formats que je veux. Je te remercie encore une fois d'avoir liké ces vidéos, d'avoir commenté, de m'avoir soutenu. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Ça va être super. Ça y est, je vais ouvrir la caméra et c'est parti. Je te dis à la semaine prochaine, une vidéo par semaine. Allez, salut, clique ici pour plus de vidéos. Je te remercie. À la semaine prochaine. Salut!